Bonjour tout le monde, son plaisir pour moi et Madeleine Petit qu'on est capable d'arriver informé à travers l'émission pour l'an, émission Tribune Sport, émission qui porte pour toute dernière actualité sportive sur le plan local et international. N'a pas beaucoup de pause dans le tournoi. Nous retournons après pause là. Merci avec vous-même qui était accroché avec moi-même Madeleine Petit qu'on est émission Tribune Sport. Merci parce que vous continuez à inviter vos amis, vos familles viennent découvrir ça. Ou même qui nouveau sur channel là, nous invitons à abonner, à activer cloche notification pour pas rater aucune des émissions. Barcelone va jouer contre l'équipe Valence là, match qui va garder pour nouvelle journée de Liga Santander là. Pour connaître est-ce que Barcelone va continuer qu'il est là, je sous équipe Real Madrid là. Barcelone avant matin connaît vraiment un match nul, deux victoires, deux défaites. Pourtant Valence lui-même il était sur quatre défaites, yon victoire récemment là. Nous va regarder comment Barcelone lui-même va camper. Barcelone a joué un goal avec Marc-André ter Stegen, c'est composition définitive là. Non défense à 4, Jules Koundé dos à 23, Louis Christensen dos à 15 comme arrière latéral gauche. C'est Real Alejandro Balde, monsieur a joué avec numéro 28 là. Aou comme arrière latéral droit numéro 4 et puis Sergio Roberto dos à 20, Sergio Busquets dos à 5 et puis gagner Frankie De Jong dos à 21. C'est mon savoir qui a un axe défense là. Pourtant en attaque, il y a bien Rafinha dos à 22, Ferran Torres dos à 11, Ansu Fati dans sa 10. Et puis pour équipe valencienne, Real gagne un monsieur Tako Maradash qui a pas gol là. Et puis nous défense à 4, Comer dans sa 24, Kink dans sa 15 comme arrière latéral gauche, c'est Real Alassalde. Et puis comme arrière latéral droit, c'est Real Thierry Courira. Dans le terrain, il y a joué avec Fulquier dans sa 20, Hugo qui lui-même a plat avec dans sa 6 là, Moriba dans sa 8 et puis devant André Almeida dans sa 18, Hugo Douro. Et puis Lino Simon Zaou cap présent pour équipe Valence là, match qui pral vraiment assez intéressant pour équipe FC Barcelone et pour équipe valencienne dans le cadre 24e journée Liga Santander. Merci parce que vous like, commenter, partager. Merci avec vous même qui pral tout profiter abonner, activer cloche notification.